Hello everybody, Nagadef. Je vous emmène au Sénégal et c'est tout de suite après le jingle. Avec Mourambi, le livre des ossements, Boris Boubacar Diop, c'est un écrivain sénégalais. Il raconte l'histoire qu'ont vécu les Rwandais, c'est-à-dire le génocide. Comment des frères se sont entretués entre eux, les millions de morts qu'on a pu avoir. Eh bien, lui, il nous plonge au cœur de l'histoire. Il raconte comment les familles ont vécu, comment les personnes ont vécu, et l'histoire de certaines personnes se mélange à l'histoire commune. C'est extraordinaire et je vous encourage vivement à le découvrir. Mourambi, le livre des ossements, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire parce qu'on ne peut pas continuer dans les mêmes travers. Ça permet de se remémorer ce qui a pu se passer, rendre hommage aux personnes disparues, mais aussi éviter les pièges dans l'avenir. Je voudrais faire un clin d'œil à la maison d'édition Florzoa, qui fait un travail exceptionnel. Alors, vous avez certainement dû rencontrer Mourambi, le livre des ossements, dans une autre présentation. Eh bien, celle-ci, on a en couverture une toile de Moumar Seck. C'est merveilleux, c'est une belle œuvre à avoir dans sa bibliothèque. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos enfants, bon, quand ils vont grandir, hein, évidemment, pour qu'on se souvienne tous de ce qui s'est passé, ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de cette œuvre. Je vais vous lire un petit passage pour que vous ayez une idée du contenu. Alors, il s'agit de la préface du docteur Karegeï qui parle de Boubacar Boris Diop. Sur ce sujet, Boubacar Boris Diop est catégorique. L'écrivain africain, interdit d'innocence, est soumis au devoir de porter à travers sa parole les maux et les souffrances des siens. Je l'ai aussi entendu dire une fois que s'il lui était donné la possibilité d'une seconde vie, il choisirait le métier d'avocat pour être en mesure de défendre avec des mots les personnes opprimées. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de Mourambi, le livre des ossements, en espérant que vous allez l'acheter et l'offrir autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Elle brise les hommes qu'elle enchaîne.